Petite ambiance jazzy ce soir avec Razelanout sur Radio 76, le jeu de Fallout. Un jeu par Todd Awards en 2000 quelque chose, mais dans les années 2010. Un succès total, un succès sans précédent. Le meilleur jeu Fallout. Selon Julien Chiez lui-même, jeu de l'année pour les siècles à venir. Ainsi que la rédaction de Gameblog s'engage, c'est Fallout 76. Et on rejoint Razel dans un monde impitoyable. Ce week-end, gagner deux fois plus de score. Oh ouais, super. Et maintenant, dans le monde du double score. Sans transition aucune, le chat commence. Le jeu commence. Le chat n'a pas encore commencé. Je retrouve lequel des trois est un communiste. C'est Jimmy, Toffer, oui. Je crois que c'est Jimmy. C'est Jimmy sur son PC. Il y a genre mon prof de maths m'a dit que entre camarades il fallait se serrer les coudes. Ah, faut que je trouve les preuves. Ouais, faut que tu fouilles son PC. Salut le chat. On va taper dans le chat pour que les gens voient que le chat est actif. Ce streamer professionnel. Plus de 70 années de stream. Condensé dans un homme. Seul. Attendons l'invitation de Razelanout pour le groupe. Car il est chef de groupe. Mot de passe du terminal de Jim, mais je le connais pas. Eh bah ben voilà, ah tu l'as pas. Merde. Alors, c'est pas sûr que ce soit le communiste, mais son mot de passe c'est faucille et marteau. C'est l'international. C'est la lutte des cocos. Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer. Je sors mon revolver. L'ambiance. Moi je peux pas trouver le mot de passe. Complètement trouble. Regarde dans ces tiroirs et entre les meubles, je crois. Ok, j'ai en claqué 3 balles de magnum. Meilleur jeu. Vas-y, recharge pas. Oh non, attends, c'est pas possible. Il recharge comme ça là, une à une. Allez, touche-moi toi, bam! Putain, il faut que je répare mon stuff. Quel enfer. Ok. J'ai fouillé partout. C'est parti, partout. C'est parti, partout. C'est marrant que je puisse te le donner. Si je l'ai encore dans mes notes, genre. Ok, alors ça ne marche plus. Ça remarche. On va s'habituer aux commandes, c'est promis. Hop là! Je quitte la station. Ouais. Tiens, faut que tu m'invites dans ton superbe groupe. Non, c'est mal. Le raciste, c'est mal. Ah. Bah, je peux te rejoindre. Oh, je peux pas t'inviter dans le groupe. Comment ça? Oh. Comment cela? Contrôle tab. Razelanout en ligne. Rejoindre. Bah, je vais te rejoindre. On se rejoint quoi. Boum 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 boum. Une fois qu'on s'éclatait sur cet écran de titre. Me rend blafard. C'est le style. Vous ressentez les bienfaits d'un repos réparateur. C'est dur à dire. Ressentez les bienfaits d'un repos réparateur. Vous réparez. Non, c'est trop dur.
fouiller la chambre à la recherche du mot de passe. Vous réparez les repos d'un bienfait reposant. Merde. J'ai tout fouillé. Bon, alors on va rejoindre Razel et lui montrer un peu comment on fouille vraiment dans un jeu Fallout. Je sais même plus comment j'ai trouvé, c'est pour dire. Alors attends, il est en bas, il est là, au camp McClintock. 9 caps, putain, mec. C'est pas la moitié de... C'est pas la moitié d'un salaire. Les survivants appelaient la région aux alentours de l'abri 76 de la forêt. Putain, j'y crois pas, il l'a trouvé. Pourvu d'une végétation et d'une faune abondante, c'est l'endroit idéal pour trouver de quoi manger et boire. Excellent. Big Sound Sound 4012. Jimmy. Poudou, poudou, poudou. Ok. On est dans le jeu, c'est le jeu. Ah putain, c'est quand même 20 caps. Se fout pas de ta gueule. Hein. Ah ouais, non, ça déconne zéro. J'ai tout claqué dans des machines à sous dans un camp, hein, le camp d'un mec que j'ai trouvé hier. Il avait fait un espèce de casino où il a mis tous les objets possibles que tu peux avoir en premium, quoi. Je sens que ça n'avait aucun sens, mais il a essayé de faire une petite cohérence. Et j'ai tout claqué, j'avais genre 300 capsules, quoi. Claqué aux machines à sous. Il y a une machine à sous géante là avec 5 rouleaux, quoi. Putain, la plus grande machine à sous du monde. J'étais obligé, quoi, de me faire plumer la gueule. Donc maintenant, je suis pauvre, j'ai très exactement 29 capsules. J'ai où ? Il faut que je fasse les épreuves, non ? Oh, c'est quoi ça ? Oh, le superviseur ! Elle était là, cette pouf. Quelle pute. Et au prochain. Ouais, on vient là. Je deviens peut-être dingue, mais c'était sympa d'enfiler un uniforme et de jouer à la guerre avec une bande de sergents robots. Je crois même que j'ai appris une ou deux petites choses sur le tir. Grandement frappé. Maintenant que je fais partie de l'armée, mon titre officiel, c'est soldat superviseur. Il faut que je passe sur cette petite corde à la con. Là. Ah oui, t'es au terrain d'entraînement. Excellent. De voir si je peux berner quelques systèmes d'identification. Attention, je vais first try. Hein. Je vais first try au hasard. Ouais, y a un petit temps de lag avant que les boutons s'affichent, quoi. Ouais, ouais, c'est. Joe Craig. Si vous vous en souvenez, on a fait cette quête hier, ou alors je n'avais pas. Je n'avais pas streamé, je ne sais plus. En tout cas, bienvenue au camp McClintock. Prépare des soldats américains. Des soldats de l'armée américaine. Des soldats des Marines. Vous êtes la dernière classe à être formée par d'honnêtes sergents humains. Prenez votre envol et montrez-leur que c'est dans les pieds de gamelles qu'on trouve les meilleurs soldats. Il y a un colon qui vient avec qui vient se balader. Pareil, il a plus trop de cheveux. Je me permets de vous interrompre, sergent. Le prochain. Ce sera tout. Merci bien. En qualité de gouverneur, je tiens à témoigner mon immense fierté envers les fils et filles des Appalaches diplômés aujourd'hui. Et s'en fout, gouverneur. Dire que l'avenir des Appalaches s'annonce plus radieux encore à l'approche d'une nouvelle ère d'automatisation. Génial. Oh, j'ai raté. De manière plus rapide et plus efficace. Mais cette journée et cette soirée vous appartiennent. Bon, je finis ça vite fait après, on retourne faire la... Ouais, on a des Raiders infiltrés là. La quête. Razel. C'est temps pour faire de la place. On va déposer des trucs au camp. Normalement. Oh putain, mais. Merde. Oh le mec. Je se commence mal. Allez, soldats. Tu vas me bouger ce petit cul. Je sais pas si j'appuie sur le bouton, c'est bon. Appuie, faut que t'appuies. Ensuite, faut que tu fasses la suite. On va revenir. Si, je crois qu'il y a un truc où il faut revenir. Non, pas du tout. J'ai mal fait tout à l'heure. Allez, plus vite que ça. Putain, je peux même te suivre d'ici et te donner des ordres. Allez, tu me cours dans cette boue, sur cette corde, excellent. Tu vas sur ce bouton. Hop. Le corps des Marines. Allez, à quatre pattes, et tu vas ramper dans cette putain de boue qui est sortie du ventre de ta mère.
Allez hop, deux par deux, et tu t'achètes là, c'est tes chaussures. Il y a un faux soldat qui se balade en PNJ là, il fait genre... Ouais. On peut parler à lui, c'est un lâche. J'ai envie de le tuer, mais on peut pas. On peut pas, c'est un PNJ du jeu. Eh oui. Bienvenue. En Fallout 76. Allez, on n'hésite pas, on va tout droit. On prend les angles droits, à reculons. C'est fini. Oh non. Ça va où après? Je sais pas. Il est où après? Ah, c'est là. 1, 2, 3, 4, j'apprends à me battre. Corps des marines, c'est bien se battre. Ils sont pas chauffés hein, sur les rimes. Ça, c'est mon flingue et ça, c'est mon dard. Des bons soldats et un vrai pétard. J'ai tout qui me revient. Oh putain. Oh là, attention, les appuis. Hop, on esquive la balle. C'est un Magnum 354. Bien sûr. Ah, il reste. Fanat d'armes. Se reconnaîtront dans le chat. Oh, le pistolet tactique avec cible. Oh. Oui. Génial. Bravo, soldat. Allez, moi, c'est le tir à faire et c'est bon. Allez, fais le tir. T'auras toi ta certification de soldat. Putain, j'entends des chiens aboyer, je sais jamais si c'est dans le jeu ou dans la vraie vie. Cet endroit a une tonne de potentiel. Corps des Marines, invité dans l'équipe. Ah bah oui, je peux faire ça depuis tout à l'heure. C'est là. Enfin. Le soldat rasé. Corps des Marines, c'est bien se battre. Oh, et notre meuf, Sigma Plus. Salut, elle a un costume de samouraï, c'est le lore. Attention, elle essaie de te gêner la pute. Chef d'équipe publique. 417. Niveau 417. Salut, on est niveau 8. Coucou. Ouais. Attention soldat, salut communiste. Ah, je l'ai pas celui-là. Je l'ai. Peut-être. Zanou, t'as refusé votre invitation dans l'équipe. Ah, d'accord. Ah, il veut qu'on fasse une photo. Pardon. Attends. Comment on fait une photo déjà? Merde, c'est pas ça. Elle fait ta photo, Poufias. Merde, faut faire un truc. Ah, faut appuyer sur P. Non, c'est bon. Vas-y. Dans mon groupe? Ouais, tu m'as proposé. Ouais. Contrôle T. Accepter l'invite. Yeah. Ah, affaire personnelle. Allez, let's go. Alors, okay, j'ai des millions de quêtes. Terminé l'exercice à balle réelle. Là, attends, il me reste juste. Ah bah vas-y, on le fait. Ça c'est un... c'est des vagues de robots là. Yeah. Ah, c'est cool ça. C'est là. Oh, elle a un jetpack. Elle. Oh, ouais, d'accord. Le jeu est tout de suite plus simple. Oh ouais, ouais. Ok, d'accord. Enfin, le jeu est plus. C'est Michael Jackson, Dangerous Tour. Oh my god! T'as vu Michael. Oh my god, he's flying! Jetpack. You're flying, bro. Il fut un jour. Yes, I know you're not a girl. Ah. Il fut un jour où après le bac, Razelanit et moi-même, que nous n'avions pas eu d'ailleurs le bac, au premier tour, hein, comme on dit,
fut un jour où nous étions sur un canapé devant la télé à regarder la veille des rattrapages, le concert Dangerous Tour de Michael Jackson à la télé. Et à ce moment-là, dans les 5 dernières minutes, Michael sort un jetpack après 15 minutes de « Woohoo, come on, come is that change, make that change, come on !» Il s'est mis à mettre un jetpack et à s'envoler dans les airs devant le public de Budapest. Genre, les mecs... Waouh ! Toutes les recrues attendant de terminer leur exercice à balles réelles doivent se munir de leur arme préférée. Ah, club super avant. Terminé. Bah attends, je vais peut-être me mute parce que je mange. Et donc, merci bien, devant tous ces communistes qui venaient de sortir, parce que c'était en 93, il y a à peine 2 ans, du royaume de fer, quoi, du trône de fer de l'URSS, il voit Michael Jackson avec un jetpack s'envoler dans les airs, comme ça. Et ça, je pense que ça peut être incroyable. J'ai peur des communistes. Je me cache dans la cabane. Putain, à chaque fois que je viens ici, moi aussi j'ai fait cette épreuve là, et il y avait aussi un mec de genre 324 qui est venu m'aider, il les a tous défoncés. Gotta make that change, come on. Man in the mirror. Il reste dégardé. Alors bougez-vous le train. D'autres copains de type pas capitaliste sont en chemin. Dieu, c'est les anticapitalistes. Ils doivent périr. Make that change. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, encore des cocos en approche. Qu'est-ce qu'on va faire? Tuez-les et emballez ces pesés. Man in the mirror. Ah, y'a un autre type niveau 412. Attention. Je les ai vus, c'est les sympathisants communistes. Gonna make a change. Come on. Make that change. Un joli shotgun, ça lag de dingue. Je sais pas si ça lag aussi sur le stream. Désolé si on perd des frames. Oh non, on dirait. J'ai tout le. Erreur système. J'ai tout le lingo. C'est moi, recrue. Je me planquerai à votre place. Le dernier exercice va être. Agité. Putain, lui il a un bouchouli, c'est cadeau. Mais il a un jetpack aussi. Putain, c'est tous des mecs 400 avec des jetpacks. Mais ouais. Regardez, on court, on se cache, hop, sidestep, on tire une fois pour attirer son attention, on tire 2 fois, c'est le speedrun, on tire 3 fois, les coups ne touchent pas car c'est le lag. Incroyable, en seulement 4 secondes. Oh putain, j'ai plus de place déjà. Trop de trucs d'aluminium. Yes! Et là, c'est la partie drôle parce qu'il va t'envoyer dans un bureau de. Bureau de genre. La préfecture, il va falloir remplir des papiers, mec. Mais non, comme dans la vraie vie. Vraie story. Jeu d'un réalisme. Comme dans la vraie vie. Parce que j'adore jouer à des jeux de survie post-apocalyptique pour refaire les trucs les plus chiants de la vraie vie. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment mon credo. Oh, putain, c'est le lag. Hein. Mon dieu. Qu'est-ce que j'ai d'ouvert? Rien du tout. Steam. On va dire Steam. Cette petite maquerelle de Steam. Gonna make a change. Come on. And in the mirror. Oui, casse-toi. Mais arrêtez de me suivre. Alors c'est une théorie que j'ai, mais peut-être à super haut niveau, les mecs se font tellement chier, parce que j'ai vu d'autres gars aussi faire ça, c'est des trucs de fou, et ils font que de suivre en fait. Ou alors peut-être ils peuvent répéter les quêtes, genre un moment c'est à tout fait, tu sais, tu peux réinitialiser toutes les quêtes et toutes les refaire. Je sais pas pourquoi les gens feraient voilà, ça. Voilà, c'est chiant. Mais imagine. Au bout d'un moment, imagine, attends, parce que...
C'est quand même plus de 2 ans qu'ils ont leur système de premium là où tu dois payer, où t'as le truc plus. Donc au bout de 24 mois où t'as payé 14 balles par mois, tu vois, tu te dis, j'ai foutu 200 balles dans le jeu. Peut-être y jouer toute la vie, quoi. Et ensuite, c'est la boucle. Le Hérald soutient Queen Carter. Le sergent-chef. On appelle le syndrome, bien sûr, de Stockholm Bethesda, avec un tiret au milieu. Ah, yeah. Oh, niveau 15. Ah, merci. Bien joué. Bah, écoute. Bien joué, Zulex. Bon, vas-y, on va se TP là. Des cocos et des robots. Allez, on se TP. On va aller faire le. On va parler à ses enfants. Le soir est pack de cartes d'aptitude. Attention, là, c'est la blague. Événement robot de combat. Non, c'est pas ça. Que dit un ion hydrogène quand il s'en va? H+. Faut avoir fait quand même bac à plus 7 pour la comprendre celle-là. Bon, faut avoir écouté en physique, ce qui n'était pas mon cas. Personnalité magnétique, gagner un point de charisme en plus pour chaque coéquipier. Sans vous compter, mais c'est génial, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Putain, c'est 9 trucs pour ce TP là. Et ouais. Je vais y aller à pied si tu veux, ça ferait l'aventure. Ça c'est génial aussi, allez, on prend ça. Que des trucs géniaux. Ouais. Et voilà. Putain, là on est invincible à deux. Allez, on se TP, c'est ça la question? Ouais. T'attends, je me TP pour TP sur moi, un petit salopard. Putain, ouais, bonne idée. Ouais, bonne idée, ouais, j'ai moins de fric que toi. Alors attends, par contre, non. Je t'ai donné 10 balles et un différentiel de 20 balles. Ah putain, j'ai fait mon camp juste à côté. Ouais, c'est pas faux. On va dire que c'est pas faux. J'ai pas tout compris ce que t'as dit, mais c'est pas faux. Voyage rapide. Ah, je suis en surcharge. Oh, vas-y, d'un point. D'un point, c'est rien. Un point. C'est vraiment le fléau. On va aller au camp. Mais t'es pétoi sur mon camp, c'est gratos. Il est juste à côté dans le monde de la Syrie, là. Ah ouais. Mais oui, bien sûr. Gotta make a change. Come on. Make that change. Après là, on suit les 4, mais si tu veux juste faire un peu d'explo et on voit ce qui se passe, ça me va aussi. Là. Bon, on va essayer d'avancer un c'est peu cette quête. Au niveau de l'XP, je pense... Ouais, c'est ça qui... C'est ça, exactement. C'est surtout ça, tu vois. Alors, voyons voir ce camp. Il y a des flammes en rose. Alors, regarde. J'ai trouvé le mec qui donne les abris. J'ai ouais, vu un petit truc d'abri, bon, j'ai rien mis dedans. Et il faut des ressources à mort, évidemment. Petit flamme rose, j'ai foutu ça comme ça. Petite cache, petit machin. Allez, stocker tout le bric-à-brac. Attends, je vais jouer au piano. Ah putain, mais. Attends, mais j'ai halluciné ou. Ah, je suis chaud, mais c'est de la merde. Ah si, viens voir par là. Regarde. On va pouvoir coordonner nos talents. Ah oui. Voilà, j'ai eu les deux instruments les plus improbables à choper dans un camp, quoi. Un trombone et un piano droit. Putain, si t'avais une petite guitare là, comme dans l'abri. Ouais. Il faudrait la mélodie principale parce que là on a que les accompagnements quoi. Ouais, c'est... Putain, je suis sûr avec une guitare ça passerait trop bien là. Et je suis sûr, enfin j'espère quand même, que si tu changes de région les musiques changent, tu vois. Imagine on fait le camp dans un endroit qui est pas du tout ce biome là. Oh attends putain. Ah ça j'en doute quand même. Putain je vois la Syrie, elle est pas du tout comme hier. Déjà il y avait pas d'arbre hier. Putain c'est dingue, j'étais vraiment dans Sliders quoi. Ouais. Et c'était tellement moche quand même que j'ai mis au moins 10 minutes, allez au moins 2 bonnes minutes à trouver, à comprendre que c'était bugué quoi. Parce que j'étais vu tirer sur des trucs invisibles, j'étais là, oh, c'est bizarre, le mec il est trop fort, il tire sur des trucs invisibles. J'ai extrêmement l'air con dans cette VOD d'ailleurs.
Non, parce qu'on peut passer par là-bas, il faut faire le tour. Attends, t'es où? Ah ouais, toi t'es de l'autre côté. Pas bon, j'arrive. Putain, on va devenir des Raiders! Pas une seconde. T'es deg, hein, JC, hein. Un club super aventure, on va être Raiders, c'est pas toi. Nananer. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rejoindre la confrérie. Ah putain, on peut faire ça aussi, putain. Ok, je vois la porte, putain, c'est... Une saison verdoyante a commencé dans la forêt. Une saison verdoyante, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, tu te planques derrière l'arbre et moi je vais leur parler. Horde libérateur, la forêt. Ok. Attends, mais s'il faut tirer derrière l'arbre, ça va servir à rien, j'ai un pompe. Attends. C'est moi qui ai du carré. J'arrive en marchant. Range ton flingue. Moi-même. Qu'est-ce que c'est? Eh, attends une minute. T'as vu le boss avant? Personne n'entre sans autorisation. Mais on peut pas voir le boss si on n'a pas l'autorisation pour entrer voir le boss. Ah, mais attends, faut que je parle à votre boss ou j'aimerais rejoindre votre organisation. Ah, vas-y, moi je fais. J'aimerais rejoindre votre organisation. Allez. Votre joie. Si vous connaissez pas le mot. Bien sûr, c'est Danube. On le connaît. Courge. Allez, butternut. C'est bon. Oh putain, on devient des Raiders. On devient des truands. Ah, écrasez la note, attends, je range mon flingue. Putain, le lag. Le lag est intense. Ah ouais? C'est encore pire sur le jeu que sur le stream, évidemment. Attends. Je t'attends. Tu veux fouiller? Viens voir là, y'a. Y'a des mecs qui ont des instruments incroyables là. Ah ouais, c'est clair. Oh. Bah ouais. Allez, cassez-vous les bouffons. Ah ça jam. Tu vois quelque chose qui te plaît? Oh non, je me demande si je vois quelque chose que. Ouais. Que j'ai ma tête, c'est juste au niveau de sa teub là. Et je crois que ça leur a pas plu du tout qu'on leur prenne leur place. Voilà comment je fais la guitare. Ouais, déjà, hop, c'est une leçon de vie. Le patron était réglo. Pour l'instant. Oh non, il est en train de te draguer. Il a dit que t'avais l'air réglo pour l'instant. Moi, bonjour, vous êtes une. À la rivière. À moins que tu veuilles nager dans les boyaux de mutants. Ok, d'accord. Il a voulu se faire une intro badass, lui. Dites-moi, ouais, alors c'est ce que j'allais dire, vos trucs, on peut les prendre gratuitement. Ah, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal tout ça. Ouais, dis donc, un réacteur à fusion, bah tiens, vous rangez pas ça dans des boîtes. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est cette cafetière? Et il est où le petit café là, les petits gâteaux? Il y a une tasse à café là. Putain, est-ce que t'as la même idée que moi? Est-ce qu'on leur mettrait pas dans le cul aux deux autres un musiciens? Café. Le café. Steampack. Bah écoute, c'est nice. Y'a quoi là? Un casque de chantier? Ouais, bah ça m'étonne pas, tiens. Tiens, une coiffe d'indien. Un chapeau de policier. Des menottes. Un gilet en cuir. On a trouvé les village people. Putain, le mec il fout carrément dans leur. Des lunettes trop stylées. Ah oh, ouais, regardez-moi ça. Clipez ça dans le chat, regardez. On dirait un italien, le mec. Alors, on dirait Pablo. Il va nous peindre un tableau. Je suis Big Boss. Ah, un peu, t'as un mélange de Miller et Big Boss. Big Boss, regardez. C'est ça votre boss? Attends, il y a activé le lance-flamme. Ouais. Waouh. Ouais, c'est Mad Max. Hein. Je suis sûr, dans sa tête, ouais, avec une bonne guitare électrique, ça sonnait mieux, quoi. Parce que là, bon. Ouais, si. Ouais, mais. Ouais, allez. Un petit style. Oh, un mec est mort. Un colon. Le colon va mal. Un casque de chantier jaune. Ouais, écoute, ils ont des prisons. Ouais, ça m'a l'air d'être une communauté tout à fait saine. Écoute, c'est organisé, hein. Écoute, ça me dit bien de les rejoindre. Attends, comment on monte à une scierie déjà? Des petites transversales. Très bien, allons voir le boss. Attention, hein, ça coupe. Il est où? Il est pas là. Ah ok, il y a une porte.
Allez, je vous attends, chef, avec vos tactiques de persuasion. Énorme. Du coup, j'ai pu rentrer en solo. N'importe quoi, c'est juste. On va essayer de s'accorder sur les dires. J'ai oublié ce système de solo et de... C'est n'importe quoi. Sale temps dehors, pas vrai? Attends, mais moi, il est pas là, le mec. Qu'est-ce que c'est, toi? Étudier les recherches, parler au maire, mais attends... est-ce qu'il y aurait les Riders? Merde! Mate-moi cet endroit. La plupart d'entre nous étaient enfermés. D'accord. Dans... Personne n'a de nouvelles de batteur. On oublie facilement. Je pense qu'il a enfin du fil. Il est derrière cette porte. Fabriquer une arme, non, c'est pas ça. Oui, il doit être en bas. Ouais, il est en bas. J'ai toujours pensé qu'il nous en faudrait quelques-uns avec plus de 2 neurones qui se touchent pour trouver notre récompense. Attends, ça, c'est une bonne chose. Moi, je suis juste. Fouillez tous vos casiers devant vous. Le mec, il me demande si. Oh, plastron en métal. Bien sûr. Oh, le mec. Ouais, je suis vachement plus lourd. Tu vas te up, le grail de fou. Bonjour, ces cartouches, elles sont à personne? Ok, je les prends. Bonjour. Bonjour, c'est votre stuff, là? Évidemment, on ne peut pas bouger les trucs. Quel dommage, mais tout est pas là, quoi. Attends, on ne peut plus bouger, ouais, c'est vrai, il n'y a plus de physique, maintenant. Je n'ai même pas regardé ça, mais... physique de jeu a disparu, c'est incroyable. On vit une époque formidable. Le Radix. Effectivement. On va recycler les objets. Qu'est-ce qu'on a recyclé? Oh putain, on a rien du tout à recycler. Alors, Joe le connard. Roper. C'est vous qui avez le mot de passe? Je suppose qu'on vous l'a donné parce qu'on pensait que vous pourriez être utile. Erreur de casting. M'appelle Roper. M'appelle Roper. Expliquez-moi ce que vous fichez ici. Putain, c'est PewDiePie, quoi. C'est Deep ou Paille. Je veux me joindre à vous. Ah, mais attends, ça veut dire qu'on va attaquer le rétif. On peut les trahir après, j'imagine. Et moi, je voudrais un vertiptère serti de diamants. Putain, mais j'ai pris un niveau. Intelligence 4+, Napoléon, Gengis Khan, George Washington, des pignoufs. Vous avez un stratège de génie devant vous. Vous avez l'air d'y croire très fort, en tout cas. C'est vrai. Ok, utilisez donc votre stratégie pour moi. Votre gros cerveau est au courant pour le trésor de Crane, pas vrai? Trouvez-le pour moi et je vous donnerai votre part. Ok. C'est ce que je voulais entendre. N'essayez pas de me baiser. Vous n'aimerez pas le résultat. Parlez à Duchesse. Oh putain, merde. Tant que vous bossez pour nous, Meghan ne devrait pas vous chercher des noises. Tant que vous ne recherchez pas non plus. Putain, c'est énorme. Les... Oh, c'est Jackie. Tu diriges tout. Les Jackie. Moi, je m'assure que les gens comme vous fassent rien de louche. C'est une bonne tête, Jackie. Moi aussi, je t'aurais pris comme garde du corps. L'air d'être un mec avenant. Avec qui on peut boire des bières. Et manger du Burger King. Le moyen le plus rapide de rejoindre notre bande est de me trouver ce trésor. D'accord. On va essayer de trouver le trésor. Ça se trouve, ça nous a donné une immunité face à tous les Riders et ils vont plus nous toucher maintenant. Peut-être, hein. Bon, je trouve pas le mec. T'es dans le bar là? T'es dans leur truc? Non, je suis monté dans le. Ouais, je suis pris la porte qu'on a pris ensemble. T'es monté tout en haut? Ouais, je crois. Bah, faut descendre tout en bas. Ah oui. Il y a un petit escalier. Bonne gamelle de chien. Gamelle de chien. D'accord. Dites-moi que ça chauffe. Allez, fabriquons des trucs et des machins. C'est l'aventure, c'est Fallout. Grenade de gaz hallucinogène. Ah, ça va dans les mines et tout, c'est normal. Ouais. Ils se sont fait un petit trip. Non, on va pas utiliser ça pour ça. On va plutôt faire des amas. Ouais. Carrément.
Ok, ça, ça va nous faire gagner. Taquet de place. Oh, viande avariée 52. Putain, mais faut les cuire, les trucs. C'est un truc de ouf. On n'y pense jamais assez. J'ai gagné combien de places? Et c'est bon. Moi, j'ai gagné 10 de place. Excellent. Ok, on se rejoint dehors. Je parle au gars, là. Ah oui, parle au gars. Ah bah oui. J'espère que tu leur as volé tout leur stuff devant leurs yeux, d'abord. Oui. Ah, il me demande si je veux laisser le rétif tranquille. Alors, non, si lui il laisse le rétif tranquille, ou que je m'éloigne à eux. Moi, je leur ai demandé si je pouvais me joindre à eux. Ils m'ont dit trouve-moi le trésor et je te donnerai ta part. Bien sûr, je compte les boules blousées au dernier moment. Il a pas l'air chaud. Ah, faut peut-être que tu réussisses un dialogue check. Ah putain, c'est que des trucs force, agilité ou intelligence, quoi, tout ce que j'ai pas. Ah putain, ouais, j'ai eu intelligence. Et ils arrêtent pas avec leur jam. Ouais, ils me demandent d'apporter le trésor. Oh, mais je vais lui demander qu'il laisse le rétif tranquille. Mm-hmm. Ouais, comme ça dans les deux. Ah bah, faut que je trouve le trésor. Ouais, tiens. Trop tard. Je peux plus. Du coup, on est dans Fallout, le jeu est marron. Le jeu est Bordeaux. Ah bah du coup on a la même mission, c'est énorme. Je t'inquiète, je te ferai rentrer dans le gang. Moi j'ai parlé à Duchesse en tant que nouvelle quête là. Elle est où Duchesse? Ah bah c'est la meuf du bar. Ah ouais. Ah ils aiment bien. Ils sont dit notre jeu est pas assez grand, on va leur faire des allers-retours, tu vois. Bien qu'ils claquent leur capsule, si ça c'est pas un move de homonculé. De petit homonculé, exactement. Oui. Oh, ça fait mal. Invité distingué, aider Billingsley à organiser son gala d'Halloween. Billingsley. Ça c'est un nom qu'on adore. J'ai gagné un niveau, non? Moi je l'ai utilisé évidemment. T'y es allé du coup toi voir une pièce? Non. Ah, y a événement hors de Libérateur la forêt. Viens, on fait ça. Ouais, ils vont pas. Ça, y a des mecs niveau 412 là encore, ils nous ont suivis, putain. Ils nous ont retrouvés. Je vais parler à Duclès dans le rayon. Allez, on se TP. Elle est où cette petite duchesse? Parler à Lane, parler à Duchesse, ok. 13 capsules, putain, mais ça n'arrête pas, quoi. C'est fou l'inflation sur les voyages rapides. Sûrement la guerre en Russie, en Ukraine, pardon. C'est pour nous encourager à y aller à pied, quoi. Ouais, exactement. Et nous faire vivre des aventures incroyables. Remplies de mobs qui rapportent 2 d'XP. Allez. Le signe de tête. Parti. Allez, parlons à Duchesse. Quand même, on n'enlèvera pas l'idée que c'est un prénom de chat. Hein. Hop. Entrée. On entre dans le rétif. Ce soir, l'ASMR. L'apocalypse ASMR. C'est tout de suite. Oh, ouais. Interagir avec Duchesse. Bonjour. Vous voilà. Vous avez déjà réussi à nous débarrasser de ces minables? Eh, mais c'est les minables. J'ai conclu un marché. Non. Rien que ça. J'aurais peut-être dû préciser comment je voulais que vous régliez cette situation. Bon. J'imagine qu'il revient à nous deux de trouver ce trésor. Mais vous avez bien fait. Ça montre qu'on peut potentiellement vous faire confiance. Peut-être. Rappelez-vous des énormes quêtes de Fallout 1. Niveau 10. Ah, putain, mais déjà... Ils sont allés chasser des personnes douteuses et... Je les ai jamais revues. Ce sont deux des plus grands durs à cuire que j'ai jamais rencontrés.
Retrouvez-les et... il se pourrait bien. Que pouvez-vous me dire sur les disparus? J'ai une perce dorée. La première personne que vous devez retrouver s'appelle Polly. Elle détient un émetteur qui peut vous permettre de la traquer à l'aide... La deuxième personne disparue s'appelle Sol. Ces deux-là sont comme cul et chemise. Alors si vous en trouvez un, vous trouverez probablement l'autre. Ok, ok, ok. Trouvez-les. Et je vous paierai pour m'avoir donné le privilège de les ré... Oh putain, quel enfer. Je découvrirai ce qui leur est arrivé. C'est vraiment des quêtes, mais les plus basiques que j'ai jamais vues, ça... Tellement triste. Ravi de l'entendre. Je découvrirai ce qui leur est arrivé. La fréquence de l'émetteur de Polly est 99.7. La même que l'ancienne radio de Smooth Jazz des Appalaches. J'ai pensé que quelqu'un devrait l'utiliser. Trouver ce qui leur est arrivé. Smooth Jazz. Si j'ai besoin de nouvelles têtes, j'aimerais autant m'assurer d'avoir bien agi pour les anciennes. Bien sûr, les vrais fans se souviennent. Oh, 50 pièces par contre, 50 capsules. Hein. Elle paye bien cette catin. Souvenez-vous bien sûr des anciens Fallout où les quêtes commençaient comme ça aussi, un peu sous un prétexte normal. Toute bonne quête commence comme ça, sous un prétexte normal. Et puis, c'est un truc plus gros qui se dévoile. On espère que ce sera pareil. On espère. Dommage que Razelanout ait une mauvaise impression de l'écriture des anciens Fallout sur ce jeu qui est son premier, si je ne m'abuse. C'est ça. Promis, il y a des jeux qui sont complètement mieux. Putain, faudrait que je teste New Vegas. Me faire strike, c'est sur les musiques et ce first strike. Il commence par le pire truc Fallout jamais produit. C'est vraiment... Ouais. On a l'expérience Bethesda même, à l'envers. Même Fallout Tactique, c'était mieux, quoi. Putain, j'ai vu que je l'avais surtout, d'ailleurs jamais joué, quoi. C'est le Fallout multijoueur. Tactique, c'est cool. C'est pas faux. C'est le seul qu'on peut jouer à plusieurs, quoi. Après, c'est vrai que... en solo, c'est pas la même, c'est pas le même rythme, en fait, quoi. C'est vraiment les quêtes, de toute façon elles t'emmènent pas pareil dans les mêmes endroits, comme ça, faire des allers-retours. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle, ta gueule ! Ah mais ils nous suivent... Putain mais c'est le harcèlement là, Sigma là. Vous avez déjà vu ces vidéos de mal Sigma, de motivation mal Sigma en mode... Le mal Sigma n'est pas du genre à se faire remarquer, il agit dans l'ombre. Ah mais c'est de... Ah il a pris un niveau depuis tout à l'heure. Oh le mec quoi, en plus ça pèque sur notre dos. Oh, ils ont fait des lumières. Attention, ça va amener un truc là. Là il va faire un largage de trucs. Attends, c'est des cadeaux, il nous donne des cadeaux. Peut-être. Waouh. Éclatage de tympan. Oh les deux ils s'y mettent. Oh là, quel enfer. Oh, il est parti au Razel. Je suis en train de parler du test. Ah oui, c'est vrai. Allez hop. Putain, mais j'ai envie de refaire New Vegas rien que pour l'histoire. Et les factions. Quoi. Putain, les factions. S'il y avait une fraction des factions de ce jeu dans ce jeu-là, je sais que la ça Légion, veut rien dire. Maxime, la tumeur de César. Mais la Légion, toujours la Légion. Semper Legio. C'est qu'à la fin, moi j'avais compris que c'était la Légion les meilleurs dans ce jeu et. Je peux pas refaire un gameplay si c'était pas Légion, c'était horrible. J'étais ah putain, Ave, fidélité à César. Ah si t'étais chaud en médecine, tu pouvais le soigner et tout. Ah bah oui, non, j'ai tout fait pour soigner notre leader. Mais c'est quand même, tu te sens moins bien que s'il crève et qu'il y a l'anus, et là tu te sens... Tu sens que c'est le napoléonisme. Les gars. Avec sa voix qui est comme ça à la fin. Vous espériez prendre l'Ouest. On fait la quête, l'union fait la force. Le barrage. Ouais. Régler la radio de votre Pip-Boy. Attends, mais tout fait du bruit là, y a pas un moment tranquille. Comme un con, j'ai mis la radio des Appalaches d'ailleurs, n'importe quoi. Signal de l'émetteur. Okay, excellent. Pardonnez-moi pour cette éructation. Nous allons nous diriger maintenant vers la quête principale.
c'est pas... Attends, j'arrive pas à voir leur putain de signal. Oh, il y a un costume de pirate. Événement projet haricot magique. Is it for us? What? Oh, thank you. Oh, thank you, man. Oh, bro. J'ai tout pris par contre. Nice. T'en veux? Ah ouais. T'en veux un peu? Merde, vas-y, dis-lui merci. Moi, je peux pas, il m'entend pas. Hey, check my Twitch channel, bro. Ok. Thank you. Thank you too. Attends, je vais mettre ma super tenue pour voir si on vient de se faire enrôler dans un roleplay sexuel étrange sans le savoir. Oh, trop bien, c'est la tenue de Metal Gear. Quoi? Et l'autre, tu peux me la passer. Ah, mais grave. C'est vraiment le camouflage. C'est quoi qu'il a donné d'autre? Le masque de pirate, costume de pirate. Ouais, costume de pirate. Attends. Merde, comment on fait? Ah oui, jeter. Je vais le jeter, tu le ramasses. Ah. Merci. Énorme. En fait, on se fait chier à faire des échanges trop compliqués alors qu'on peut faire ça depuis le début. Mais merde. C'est clair. Putain, ah, les nice. Crétins. Ouais, c'est pirate. Pas direct par où quoi. C'est. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh. Oh mec, non mais c'est bon là, attends, mais c'est le... Loup blanc. C'est le rêve de Clément. De regarde. J'ai une full tenue de paintball. Oh le mec. Nice. Oh, il a la classe. Ah le petit feutre blanc. Ouais. Attends, j'ai encore mieux. Yes, j'ai acheté ça hier. Armure assistée de pillard, bras droit. Reconnaissance, pistolet. Oh. Ah putain, trossier. Oh tiens, vas-y, ramène le... Oh, mec, t'as une robe. J'ai pris son pistolet, par contre, j'ai plus de place, quoi. Regarde, mon gars, comment t'es belle. Je traîne avec des mecs en Harley Davidson, toi, tu piques une robe. Non, toi, tu piques une mob. C'est bien les fringriquets, mais je te verrai mieux avec une robe. Putain, ils nous font des cadeaux à foison, tenue d'insurgé, cagoule de chasseur. Tenue d'éclaireur. Je prends tout? Ah bah t'as pris, salaud. Non mais vas-y, prends. Tu veux quoi? Prends-y. La tenue d'éclaireur des montagnes bleues, c'est bien ça. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ah c'est bien ça. J'aime bien. Une cagoule de chasseur. Oh nice. Putain, ils nous font trop des cadeaux, mon gars. Yes. Merci. Merci Sigma-san. Oh mec, t'as trop... Oh la classe. Ah oh, elle tue, mec, ce tenue. Regarde, c'est mon manteau, putain. C'est ton manteau. Tiens, je te l'échange contre la tenue Salt Snake. Une tenue parfaite pour les snipers. Hein. Je préfère celle-ci. Tu préfères celle avec le manteau? Tenue de golf. Ah mais y'a trop de trucs. Oh ouais. Ouais mais j'ai tout pris. Oh le salopard. Il y a trop de... Ah bah attends, tenue de golf. Oh non, je te la laisse celle-là, j'en vois pas. Il y avait quoi? Oh le mec, on est à Las Vegas. Habit Pasteur. Habit Pasteur. Oh ça va, c'est Pasteur. Ah oui. C'est Pasteur SF un peu. Pasteur ouais, du... Ouais, nous file pas les plus stylés, je sens qu'il... Ouais mais... Non mais toi t'as... Il a mis toutes les robes. Il a un Pip-Boy, il est moche. Hey, il est laid ton Pip-Boy, mec. Oh putain, yes. Oh là, mec, c'est The Mask. Trop la classe. Ouais, bon, pareil, il m'a fait des trucs un peu pour... Chapeau de sorcière pour Halloween. Chapeau de costume de sorcière. Je l'ai pris. Oh, le salaud. Vas-y, mets-le, là. Ah ouais, avec le costume de... Non, mais alors, écoute. Eh, c'est pareil. On joue à Hogwarts Legacy ou quoi, là? Qu'est-ce que tu fais avec cette magnifique tenue d'écolier, quoi? Attends, profite des loots. Attends, moi je prends tous les loots, moi je les fous dans ma caisse, c'est fini, je les revendrai après plus tard. C'est des trucs en plus qu'on pourra... C'est du NFT, c'est sûr. C'est des trucs qu'on pourra pas avoir, nous. Oh, regarde. Oh, ça chatte. Pas du tout. C'est normal, regarde mon écran, mec.
Ah, j'ai pas le stream. Ah merde. Attends. Mais je crois qu'elle fait exprès, elle le montre. Est-ce qu'on a le droit de montrer ça sur Twitch? Oh, ça va. C'est un bug d'affichage, c'est pas ta faute. Ouais, j'avoue, mais c'est un peu flippant d'ailleurs. Costume datant de la guerre civile. Merci, mec. Fais voir la guerre. Il y a une guerre civile, apparemment. J'y étais au courant. Ouais, mais je pas que le mieux, c'est le. Montagne. Ouais, quoique là, avec ta petite robe, on peut aller au bal masqué, quoi, quelque part. Alors, celle-là, elle est trop classe, là. Ah ouais, mec, on dirait. On dirait un peu The Walking Dead, là. Rick, il avait ce manteau ah, à un moment aussi, Rick. Là. Ta gueule! Fais voir ta tête! Attends, mets-toi des petits cheveux bouclés là, faut aller au coiffeur. Ouais, j'avoue. Hey, Rick Moustache! Rick Moustache. Incroyable. On a Lincoln, je sais pas quoi, avec nous dans l'équipe. Écoute, te dire, allons en ville, Margaret. Putain, il t'a même filé un costume du Ku Klux Klan avec une étoile, quoi. Et des étoiles même dessus, putain, le mec. C'est incroyable. Chapeau de kangourou. De chasseur de... Ah oh, oui. Bah oh, oui, non, attends, Crocodile Dundee, c'est moi. Ah, c'est bien ça. Putain, on s'est fait un max de loot. Pas le chapeau, mais... Un max de loot insupportable. Oh. Ah, c'est pas mal, ça va bien avec la mienne. Un petit perfecto. Chapeau de garde. Ah non! Oh putain, il s'est. Jupe de golf. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je te laisse la jupe de golf, je sens que c'est la merde. Ah, t'es sympa. Jupe de golf. Ah voilà, là on y est, là c'est Rick là. Ah le chapeau de trappeur. Le chapeau de cavalier monté de. Du royaume du Canada. Non, parce que moi je vais mettre en mode Solid Snake. Non, en mode insurgé c'était bien. Bon. De moi. Allez, il va falloir se foutre maintenant dans notre camp et poser toutes ces merdes. Capuche en peau de diable, est-ce que ça passerait bien? Attends. Chasseur d'Ogwa. Merci, ô grand maître. Ils sont vraiment chez les mecs. Oh, what? Quoi? C'est quoi cette méga sulfateuse là? Si vous avez des munitions, les gars, n'hésitez pas à toutes les gâcher. Hein. Par contre, je sais pas ce que c'est son. Anti-humain minigun. Oh, il me l'a donné! Alors attends, ça doit être un truc. Ah, il doit être niveau 152 là. Bien sûr. Niveau 45, mec. Pff. Écoute, c'est génial. Ah, on a la classe. Je pourrais plus jamais marcher, merci. Viande de Bramine. Viande de Bramine, ouais, je te. Ah bah, t'es vraiment trop gentil. Ouais, falloir qu'on fasse des steaks. Putain, non, mais regarde-moi ça. Quoi. Moi, je vois ça, je me dis Fallout hein, tout de suite. C'est Stormtrooper en fait. Star Wars. C'est le meilleur Star Wars. Bon, vas-y. Ouais, écoute, hein, si à part si là, ils nous donnent immédiatement un truc stylé, regarde, ils sont en train de fouiller là. Attends. Alors, réglez le radio de votre Beep Boy sur le signal de l'émetteur. Ah merde, c'est quoi? C'est un lance-flamme, tu veux? Bah ouais. Niveau 200 000. Niveau, ah ouais, 5, niveau 50. Ah ouais. Bon, par contre, bon, on le mettra dans la caisse. Ah ouais, vous récupérez 2% de vie en 2 secondes lorsque vous touchez une cible. Oh. Un lance-flamme avec effet vampire. Ah, c'est incroyable, merci beaucoup. Je peux plus sauter. Merci. Merci. C'est fini maintenant. Allez, l'autre il en avait marre, il s'est tiré. Attends, il y a un établi là, vas-y, attends. Ah bah non, mais je vais pas démonter ces trucs quand même. Par contre, il y a une caisse. Cache. Alors, arme. On va poser ça, on va poser le mini gem insupportable. Oh ouais, tu m'as fait peur. C'est grave. Attaque en cours. Si on arrive à le battre, on gagne 50 pièces. Non, ça vaut pas le coup. Non, mais là, je suis surblindé là. Attends. Au 50 aussi, ils sont sympas.
tenu. Allez, ça s'arrange, ça s'arrange. Est-ce que vous pouvez la fermer avec vos armes, s'il vous plaît? Oh putain, ça fait du bien. On est bien là. Ok. D'ailleurs, je peux. Je suis toujours aussi lourd. Ah, mais oui, c'est ça. Ah bon, je suis toujours aussi lourd, mais vraiment, quoi. C'est bizarre. Et de beaucoup, hein, 188, alors que j'ai tout posé. Quoi. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Oh, pas mal ton petit masque en... en peau de je sais pas quoi, là. En train de taper sa meilleure rave avec le Mothman. Je ne sais pas quoi dire. Désolé le chat, mais là... là, c'est trop pour moi. J'ai fabriqué de la strychnine. Ah, mais... cette histoire de poids là, c'est vraiment... alors, sache que tes Steam Pack et toutes ces merdes, si t'en as genre 50, ça pèse genre 25. Ah oui, d'accord. Moi, je sors avec 7 Steam Pack minimum. Ah ouais, maximum. Maximum, plutôt. Ah ouais, ouais, c'est une très bonne idée. Alors, je peux préparer ça, je vais le faire, je vais le faire. Fruits mutants, je vais le faire. Un jus de fruits mutants. On peut vu qu'on se bat pas. Ah, ça va, hein, j'en utilise pas non plus de malade, des trucs comme ça, quoi. Toutes les merdes possibles. Ok. Guérison, eau, il me faut de l'eau. De l'eau. Ah oui, j'ai 97 raids de ouais, d'accord. Wouah. Ça marque combien en poids? Je sais pas. Normalement, tu le vois. Le poids de la pile, genre, il y a écrit. Ouais, je... poids de la pile, ça faisait 16. Ouais, mais tu vois, ça, et c'est que le raid de way, le truc que tu utilises, tu vois, tous les deux mois. Attends, mais tu fais bien de me dire les vivres. Pareil, les vivres, les chewing-gum raisin, c'est bien, mais putain, le poids de la pile des côtes de chien, c'est une par côte de chien, mec. Imagine. En fait, faut manger et boire. Arrêtez de me tirer dessus. Allez, on va manger, oh. On va boire. Ah, ils essayent de tirer. Peinture à flamme silencieux automatique. Ça a l'air bien. Journal de Tiffy. Ah ouais, il y a un mec, il avait une radio sur le dos hier, et du coup, j'ai buté. Ah, mais c'est pour l'autre. J'ai un fragment de. Il a une arme de niveau 15. Qui a quoi? Il m'a filé une arme de niveau 15 qui est stylée. Ah, je pense qu'il l'a fabriquée. R. Kelly. Ah, pardon, on joue pas à Pyramide. Tu as ramassé? Non. Oh oui. Qu'est-ce que c'est? On fait voir donc. Oh! Oh ouais, c'est sympa. Ouais. Mais ça attendent que tu la sortes. Waouh! Oh, j'ai plus de balles. J'ai tiré 3 balles! C'est quoi ces munitions de l'enfer? Énorme. Oh putain. Et on va lui faire un petit pouce. Et un petit cœur. Voilà, merci. Ouais, bravo. Ouais, thank you. Elle vient par là, je vais installer un lit dans mon camp. Allez, on fait une photo. Félix, faut que tu viennes. Oh, il m'a donné 217 cartouches, excellent. Comment on fait des photos? Ah, faut que le mec prenne une photo? Ah, d'accord. Énorme.
Bravo. On verra jamais cette photo, mais bravo. Énorme. R10 attend qu'on prenne une photo. Pas comment on fait, moi. Moi non plus. Ouais, c'est ça qui dit en plus. Vite, faut les trouver. Attends. Social, option. Commande. Ah, mode photo. Il y a écrit en gros là. Quoi? Il y avait mode photo. Ah ouais. Reviens en arrière. Le jeu lag. Ah merde, putain. Bon, attends, je vais le faire alors. Ça a tué le stream. Allô? Quand je réponds plus, non! J'ai même pas. Waouh! Ah ouais, d'accord, ça a compté le jeu comme un virus du coup. Ça a voulu accéder à mes dossiers, genre documents pour enregistrer la photo. C'est n'importe quoi. Ah, ça t'a déco. Ah ouais, non, mais le délire. Bienvenue sur Soin de l'âtre. C'était un essai. C'est trop stylé. En 2 heures sur Fallout. On revient tout de suite.